Salut, c'est Jessily de la Team Rock Hunter. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter les produits Gland de chêne. Donc, pourquoi je les utilise, à quel moment je les utilise et surtout dans quel coin et le pourquoi. Donc, je vais vous présenter le kit de saline, le bloc pressé et ainsi que la poudre volatile. Donc, je vous invite à me suivre pour le reste. Vieux bloc de l'année passée. Donc, on peut voir qu'il y a eu un peu d'action quand je suis revenue. Dans le fond, il y avait beaucoup de pistes de chevreuil autour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu autour, je vais ôter les feuilles. Je vais déplacer mon bloc un petit peu plus loin, puis je vais installer mon nouveau, ainsi que le kit de saline gland de chêne. Donc, après avoir déplacé mes blocs de sel, donc comme je vous ai dit, j'ai gratté un petit peu le sol. Pourquoi j'ai gratté le sol? C'est simple, c'est parce que je veux que mes produits se mélangent avec la terre. Ici, on est habituellement à la place où j'installe ma tente. Donc, on voit le bloc de sel qui est à environ 20 mètres, une belle chute pour l'arc ou l'arbalète. Juste à côté, j'ai installé le bloc compressé. Donc, on est vraiment proche du dortoir. On peut voir vraiment l'érablière et la transition avec le bois sale. De ce côté-là, comme je parlais, on a la montagne d'où ce qui arrive, où ce qui vont se nourrir beaucoup aussi dans les champs. Au courant de la saison, je vais vous montrer d'autres produits. Donc, c'est pas le temps en ce moment pour les préparer. Donc, on va avoir les glands liquides. Puis aussi d'autres produits au courant de la saison. Donc, je vous invite à me suivre. Bonne journée! Salut la gang! On est printemps, c'est maintenant le temps de faire nos salines. Cette année, j'ai la chance d'utiliser les produits gland de chêne. Puis pour cette année, j'ai mon kit de saline complet qui contient mes sels et minéraux, un jam, puis une attraction liquide qu'on verse autour de la saline. Je vais utiliser aussi un bloc pressé, ainsi qu'un appât liquide au gland de chêne naturel, puis une poudre qu'on met justement autour de la saline. Fait que ça va être ça cette année avec les produits gland de chêne. Cette année, j'ai décidé de faire ma saline à une nouvelle place. Derrière moi, j'ai un bûcher qui a été fait voilà 2-3 ans. En face de moi, j'ai une rivière. Avec l'autre bord de la rivière, c'est du bois sale, bien raide. Je me suis dit, je me suis placé entre les deux pas mal. Je me suis dit, peut-être que ça va être une bonne stratégie de la placer ici parce que ça voyage d'un bord à l'autre bien raide. Fait que c'est ça ma stratégie pour cette année. Dans un secteur forestier de la zone 4. Je suis sur une de mes terres dans une transition. J'ai le bois sale qui est en avant de moi ici, en arrière de moi un bûcher de 4 ans. Donc je suis direct dans la transition, je suis dans une croisée de chemin
que les chevreuils empruntent régulièrement. Donc, je sais que le trafic est là. C'est une saline que j'ai déjà utilisée avec de l'enchaîne aussi. Puis, j'avais eu beaucoup de succès. Donc, je vais la faire de la même façon que normalement. Premièrement, j'ai amené des minéraux, des sels minéraux en chaudière, en vrac, que je vais étendre sur ma souche. Je vais mettre le coulis par-dessus. Puis, je vais me faire une petite mixture, comme d'habitude, un bon ratio de sel, de minéraux et de jam pour faire une belle mixture pour caper le dessus de ma saline. Ça va la faire durer plus longtemps. Donc, je fais la même chose, mais en zone 4, secteur forestier, très forestier. Donc, je vais faire ma saline. Je vais ajouter un bloc de sel à l'arrière pour pouvoir voir si, comparer le sel standard avec ma saline. C'est un sel aux pommes. Donc, je vais essayer ça. Puis, j'entends toujours un bloc de l'enchaîne pressée à côté de mon site. Donc, c'est un bloc de minéraux avec de l'enchaîne, bien sûr, compressée. Donc, c'est un bon mix aux salines. Je fais tout ça. Donc, on va voir les résultats.